enfant, il est resté là, devant l'étang, avec sa canne à pêche, à chercher son bonheur. Et avant de partir, son grand-père lui a dit « Le bonheur est à tes pieds. » Et là, il s'est dit, si le bonheur il est à mes pieds, peut-être qu'il faut creuser. Alors, l'enfant, il a creusé et creusé encore. Et vous savez ce qu'il y a quand on creuse et on creuse encore ? Un trou. Et dans ce trou, il y avait un coffre-fort. Un coffre-fort à trésors. Avec des rubis, des diamants, de l'argent, et puis des tas de trucs comme ça. Il allait devenir riche, il allait avoir plein de bonheur. Mais le coffre-fort était fermé à clé. Alors là, il a dit, le bonheur est à mes pieds. La clé. Il a pris la clé. Il l'a rentré dans la serrure du coffre-fort, il a tourné, il l'a ouvert, il a soulevé le couvert, et là, il n'y avait pas d'or, il n'y avait pas de bijoux, il n'y avait pas de diamants. Une nouvelle fois. Et là, au fond du coffre, il a entendu un drôle de truc. Et son corps a fait Wouh ! Et après, il y avait un autre drôle de truc qui racontait une histoire. Et son corps a fait Wouh ! Et après, il y en avait plein et son corps a fait même ouvrir le coffre. Vous allez avoir la primeur. Vous êtes prêts? Attention, main droite, départ. Hein. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Aujourd'hui, cet enfant est devenu un adulte, et cet adulte est devenu confrère.